J'ai à traiter naissance et évolution de la géomorphologie, 100 ans d'études et de recherches naturalistes. En introduction, je dirais ceci. Dans le tome 10 de l'Encyclopédia Universalis, il est significatif que l'article consacré par mon maître, le regretté géomorphologue Roger Koch, à la géomorphologie, soit situé entre celui de la géologie et de la géophysique. Cette discipline a donc acquis toute sa place au sein des sciences naturelles, mais de manière assez récente. Certes, si depuis l'Antiquité, des hommes ont cherché à comprendre la forme de la Terre et son relief, ces préoccupations n'ont pris un caractère scientifique qu'à la fin du XIXe siècle, et surtout pendant le XXe siècle. Comme son nom l'indique, la géomorphologie, avec ses trois racines grecques, gé, terre, morphé, forme, et logos, étude, est la science qui a pour objet et pour but la description, l'explication et l'analyse des formes du relief de la Terre, qu'il soit continental, littoral ou sous-marin. Pour ce dernier domaine, le plus vaste du globe, la géomorphologie sous-marine a été intimement associée aux récentes découvertes effectuées sur la densité et la nature très particulière de la lithosphère des fonds océaniques. Et en particulier, un de mes collègues et amis, qui a exercé comme moi à l'Université de Madagascar, Jean-Noël Salomon, a publié une morphologie littorale et sous-marine. Associée aux travaux des géologues et volcanologues, les géomorphologues ont confirmé la continuité de la dorsale médio-atlantique au sud, au centre et au nord de l'Islande. Avec mon regretté collègue volcanologue Maurice Kraft, j'ai en particulier montré que, à l'intérieur de l'Islande, il y a ces rifts, il y a ces fissures qui écartent chaque année de 2 à 7 cm par an la plaque nord-américaine de la plaque eurasienne. De même, dans le sud-ouest de l'océan Indien, les études de géologie sous-marine ont été complétées de 1967 à 1974 par des travaux de géomorphologie volcanique, continentale et insulaire, pour démontrer les étapes successives de la fracturation du continent initial, le continent de Gondwana, et corrélativement les étapes de l'ouverture de l'océan Indien, qui, comme l'océan Atlantique, est un océan intracontinental récent. À l'échelle des temps géologiques, qu'est-ce que c'est que 180 millions d'années? Les paléolatitudes communes et l'âge semblable du Turonien, des basaltes de la côte est de Madagascar, que j'ai personnellement longuement étudié avec un collègue malgache, Andria Merad, et ceux du Deccan au nord-ouest de l'Inde en sont la preuve. Ils ont la même paléolatitude initiale. Ainsi, en s'articulant intelligemment avec la tectonique des plaques ou tectonique globale, la géomorphologie est devenue, comme celle-ci, une science globale. En organisant cette année à son tour, après l'Australie, son congrès international, la géomorphologie française a bien, elle aussi, été reconnue comme une science de la Terre à l'échelle du globe. Et pour anticiper ce congrès international tenu à Paris en août, la Commission nationale du patrimoine géomorphologique du Comité national français de géographie avait de plus choisi la Bourgogne et le massif du Morvan pour tenir en mai, sur 3 jours, 24, 25 et 26 mai, son voyage d'études. Et je sais que Daniel Sirugue y a participé. C'était quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que du massif du Chon à la roche de Solutré, du Mont Beuvray, au plateau corallien des récifs du Saussois, dans l'Yonne, de l'Autunien au Sénonien, en passant par le Sinémurien et le Sénonien, jusqu'au Solutréen, la géomorphologie bourguignonne, aujourd'hui pleinement reconnue, est d'une très grande diversité de sites et de milieux. C'est vrai, comme je l'ai dit au Césaire, et je suis heureux de voir ici Jean-Pierre Gillot, la Terre raconte son histoire en Bourgogne. Il faut donc ne pas l'oublier. Mais pour bien conserver un milieu naturel ou anthropisé, il faut d'abord en bien connaître la genèse des formes, la composition et l'évolution. Alors comment est née la géomorphologie? Eh bien c'est au milieu du XIXe siècle et surtout au XXe siècle que s'est affirmée cette discipline.
Elle est née des récits de voyage accomplis par Alexander von Humboldt, récits regroupés dans son ouvrage majeur, Le Cosmos, dans lequel il décrit l'univers, le globe qu'il vient de parcourir. Tout le monde connaît le courant de Humboldt, à l'ouest de l'Amérique du Sud. Il décrit ses formes, son relief, son volcanisme, car il a fait l'ascension du Chimborazo, et tous les facteurs climatiques, botaniques et géologiques dans leur rapport réciproque. Humboldt a donc fondé les principes de la géographie moderne, voyager et observer, et je le cite, les trois états de la matière, air, eau, terre, pour les expliquer en les plaçant dans leur caractère spatial. Fin de citation. Il sera reconnu pour son œuvre immense en devenant en 1849 en France président de la prestigieuse Société de géographie, dont il sera membre à vie. Cette Société de géographie a été fondée en 1821. Il retournera ensuite, Humboldt, naturellement, Naturlich, à Berlin, et confortera l'école géographique allemande et sa géographie physique, où trois noms émergent alors au milieu du XIXe siècle. Penck et sa morphologie, Hahn et sa climatologie, avec un K, et Karl Ritter et son étude de la Terre, Erdkunde. En France, ce sont plutôt les études régionales qui prévalent, notamment dans le très beau tableau de la géographie de la France de Paul Vidal de Lablache, écrit en 1902, qui consacre de très belles pages à la Bourgogne, au Nivernais et au Morvan, en particulier cette phrase admirable de Vézelay, Belvédère naturel, le paysage, tout bourguignon jusqu'alors, change d'aspect. Et il décrit alors le Morvan. L'école géographique américaine contribuera aussi à la naissance de la géomorphologie, notamment par les travaux de William Morris Davis, 1850-1934. Davis saura affirmer la géomorphologie et l'influence de la géologie-minéralogie et lui donner ses propres méthodes. Il définira pour cela ce que l'on appelle en géomorphologie les cycles d'érosion, avec des stades de jeunesse, maturité et de vieillesse des reliefs selon les particularités géologiques des versants. Il démontra le premier, en particulier en 1895, la capture de la Moselle par la Meurthe à Toul, d'où le nom du département Meurthe et Moselle. Il analysera et définira le premier la pénéplaine comme aboutissement d'un cycle d'érosion, quel que soit au départ la nature et l'ampleur de la chaîne de montagne initiale. Alors sera reconnu à la fin de l'orogenèse paléozoïque hercynienne, partout dans le monde concerné par celle-ci, y compris en France, dans le Massif central et le Morvan, ce que l'on nomme encore la pénéplaine post-hercynienne. Un autre fondateur de la géomorphologie, Emmanuel de Martonne, 1873-1955, qui a un amphi à l'Institut de géographie à la Sorbonne, pourra alors dessiner dans la France physique de la géographie universelle, en 1947, un bloc diagramme représentant, je le cite, la pénéplaine fossile et les gorges épigéniques au bord du Morvan, notamment les gorges enfoncées dans le massif cristallin par le Cousin aux abords d'Avalon. Les remparts d'Avalon sont construits sur du granit, bien entendu. À 26 ans, en 1899, ce même Emmanuel de Martonne conduira, je le cite, une excursion géographique dans le Morvan et l'Auxois, qui constatera la forte spécificité géomorphologique du horst pénéplané du massif du Morvan et son rattachement au massif central. Rattachement que se confirmera un autre géomorphologue, Henri Bollig, en définissant de plus la pénéplaine éogène du plateau central. D'importantes nuances seront cependant apportées à la théorie de l'érosion normale mise en place par Davis, par les travaux effectués par de nombreux géomorphologues dans la zone géographique intertropicale. Frappés qu'ils ont été par l'évolution des plateaux calcaires en karst à Tourelle ou Tourmkarst, ou qu'on appelle à Cuba, d'un nom espagnol, Mogotes.
et aussi par l'altération différentielle des reliefs granitiques tropicaux. Les chercheurs du monde entier ont alors apporté à la géomorphologie une page essentielle à la karstologie, page qui avait commencé en 1918 dans les calcaires dinariques, les karstes des régions dinariques, les géographes serbes, Tvijic et Roglic. La dissolution des calcaires sous les tropiques humides aboutit en effet à des paysages géomorphologiques exceptionnels, dont le Yunnan et la baie d'Along, envahis par la dernière transgression marine holocène, sont le symbole, ainsi que les Hom de Phom Gia Gia, au Tonkin, à l'ouest de Lang Son. Les voici. Un grand géomorphologue du karst, Jean Nicot, a bien étudié les pays et paysages calcaires à l'échelle du globe. Il vous transmet ses amitiés. Et autour de la Méditerranée, en 2012, avec de très belles coupes géologiques et de très beaux clichés. Dans ce domaine, des thèses ont également été soutenues à Madagascar par Georges Rossi et Jean-Noël Salomon sur les karsts tropicaux ou Tsing de Madagascar, aux verticalités impressionnantes dans les calcaires jurassiques. De même, un autre géomorphologue du monde tropical, Michel Petit, qui vous transmet également son bonjour parce qu'il est de Cercy-la-Tour, et il a travaillé avec moi à Madagascar. Il, lui, a consacré sa thèse à la géomorphologie des granites de Madagascar, en analysant avec précision les nuances du socle précambrien malgache et en particulier les spectaculaires parois cannelées par l'altération dans les granites et les syénites du plus haut sommet de la grande île, le pic Bobby, qui culmine à 2658 mètres. Vous voyez, on a l'impression de voir un karst. Ben, ce n'est pas un karst. C'est un karst, oui, mais dans les granites, à cause de l'altération très forte du monde tropical, humide. Une autre forte nuance a été apportée à la géomorphologie cyclique de Davis par l'introduction de la tectonique dans la genèse des reliefs et par les crises provoquées par l'instabilité de la lithosphère, qu'elle soit continentale et océanique. C'est alors que les géologues ont voulu se réapproprier la géomorphologie en la dénommant géodynamique externe, sous-entendant qu'ils demeuraient, eux, les maîtres de la géodynamique interne. Les géomorphologues ont alors réagi en s'associant aux volcanologues, dont Jacques-Marie Bardinzeff, et en montrant à ceux-ci que la dynamique externe des reliefs volcaniques ne pouvait échapper à la morphogenèse. Alors fut associée à l'université de Clermont-Ferrand la géologie des volcans avec les volcanologues et géologues Pierre-Marie Vincent, Guy Camus, de Goère de Herve, Peter Longo, et la géomorphologie volcanique avec mon maître Max Desrieaux et aussi Pierre Pou, Alain Godard. Max Desrieaux, d'ailleurs, en plus de son œuvre sur le Massif central, publia dès 1958 un magistral précis de géomorphologie qui fut plusieurs fois réédité. Puis, toujours passionné de volcanisme, il ajouta à son œuvre en 1970 un livre que je vous recommande, Le Japon, collection Magellan, PUF, où sont cartographiées toutes les régions et sommets volcaniques, du nœud de Kyushu à celui de Hokkaido. Et dans ce livre, il a bien rappelé le caractère ultra-explosif de ce volcanisme, celui qui a coûté la vie à Katia et Maurice Kraft lors d'une éruption en 1991 de Lunzen. Hélas. Elle le fut aussi. On peut donc bien dire que, dès la seconde moitié du siècle dernier, la géomorphologie française et francophone, sous toutes les latitudes et dans les deux hémisphères, était une discipline pleinement reconnue des sciences de la Terre. Elle le fut aussi par les instances universitaires qui proposèrent, en 1980, aux géomorphologues de rejoindre les facultés des sciences et dans celles-ci, les départements de géologie. Ce que firent alors de nombreux géomorphologues, dont le regretté Pierre Rognon, qui rejoignit alors l'université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Cependant, soucieux du rapport entre la morphogenèse, l'action de l'homme, la démarche environnementale et biogéographique, une majorité demeura dans les départements de géographie, des facultés de sciences humaines,
pour mieux assurer le lien essentiel entre la nature, l'homme et la biosphère, fondement de la géographie. C'est alors que chaque département de géographie se dota d'un laboratoire de géomorphologie où étaient pratiquées des analyses thermiques différentielles, des granulométries, des lames minces et des datations absolues. Quelles sont donc les méthodes de la géomorphologie ? Le premier mérite de cette discipline est d'abord d'avoir su adopter une méthode multiface dans l'analyse de l'évolution des reliefs, d'avoir su associer la géodynamique interne et la géodynamique externe sous tous leurs aspects, érosion gravitaire, glissement, éboulement, dynamique fluviale, mécanismes climatiques selon la latitude ou l'altitude, couverture végétale et animale, action de l'homme. Car le relief terrestre, eh bien, et je suis heureux de pouvoir le dire ici solennellement, l'expression de combinaisons complexes qui, au plan temporel, peuvent connaître des déroulements à vitesse moyenne interrompus par des crises brutales d'origine interne, éruptions volcaniques, séismes ou d'origine externe, éboulements, tornades, cyclones, on a évoqué en introduction, typhons, vents de sable. Et dans le pire des cas, la surcombinaison de la géodynamique interne et externe, par exemple, le séisme de subduction tangentielle et tsunami de Sumatra en 2004, que j'avais présenté à l'Académie des sciences d'Outre-mer, le séisme, le tsunami, et la grave et stupide erreur de localisation d'une centrale nucléaire littorale à Fukushima, au bord de la fosse du Japon, c'est-à-dire de la convexité la plus sismique du globe, le 11 mars 2011. Voici par conséquent, à ce sujet, les croquis que j'ai faits et que je mets à votre disposition, qui seront publiés, bien sûr. Les géomorphologues du volcanisme continuent à étudier les conséquences morphologiques et climatiques des éruptions volcaniques, par exemple celle du mont Sainte-Hélène le 7 août 1980, ou du Pinatubo en juin 1991. Il n'y a pas que des cyclones dans les Philippines, il y a aussi des éruptions volcaniques. Ce sont aussi deux géomorphologues, Serge Morin et Jean Paille, qui ont étudié les causes et les conséquences, je pense que vous le savez, de la catastrophe du lac de Nyos au nord Cameroun, qui fit dans la nuit du 21 au 22 août 1986 1800 morts, asphyxiés dans les villages de Valais par le CO2 très lourd d'origine volcanique sous la custre. Vous rendez compte ? Pour mieux maintenir la mémoire de ces événements meurtriers, les géomorphologues les fixent soit par des croquis, soit par des cartes. Voici le croquis que j'ai tiré de cette éruption du lac de Nyos pour bien montrer que les gens qui habitaient dans les vallées, parce que ce CO2 est très lourd, ont été brutalement asphyxiés. Tandis que sur les hauteurs, les pasteurs pororo, eux, ne sentaient rien du tout. La cartographie géomorphologique représente ainsi l'expression graphique des formes du relief et des dépôts corrélatifs, coulées de solifluction, cônes de déjection, terrasses alluviales, moraines glaciaires, latérales ou frontales. Mais à tout moment, notamment pour la précision et la prévention des risques d'éboulement, l'image satellitaire, numérique ou informatique ne dispensera jamais de l'observation rigoureuse du terrain. Les géomorphologues sont d'abord des gens de terrain. La géomorphologie est donc d'abord une science du terrain, de son évolution et du rôle positif ou négatif, utile ou nuisible, de l'homme sur celui-ci. Ce rapport essentiel au terrain est évidemment complété par l'analyse en laboratoire. Pour cela, la France dispose de nombreux, dont le Centre de géomorphologie de l'Université de Caen, rattaché au CNRS, et où se poursuivent des recherches sur la cryoclastie, c'est-à-dire la gélifraction, les altérations et encroûtements calcaires, afin d'étudier les seuils de déclenchement de ces processus. Et dans ce laboratoire, une attention très suivie est portée à l'érosion des terres cultivées en raison de l'ampleur prise par celles-ci dans de nombreuses régions du globe. C'est donc au cours du XXe siècle que la géomorphologie a constitué ses méthodes en associant à chaque instant le terrain et le laboratoire. Elle a de plus affirmé son autonomie dans les sciences de la Terre et s'est fait reconnaître par les géologues, les pédologues,
les hydrologues et les biogéographes. C'est ainsi que, à chaque jury de thèse de géomorphologie, siègent un ou plusieurs géologues, et selon le sujet, des hydrologues, botanistes ou volcanologues. Le lien établi au cours du XXe siècle est donc fort entre cette discipline et les autres sciences de la Terre et du vivant. Et c'est toute son originalité, associée dans la recherche, géologie, pédologie, climatologie, biogéographie, végétale et animale. On a eu précédemment un magistral exposé. Et surtout l'action de l'homme en recherchant toujours la combinaison des facteurs. Quelle est son évolution? Eh bien, on évolue maintenant vers une géomorphologie appliquée, environnementale et prospective. En sus de la karstologie déjà évoquée, une autre branche s'est nettement affirmée, celle de la géomorphologie littorale. Grâce en particulier à plusieurs universitaires de renom, André Guilcher, Roland Pascoff, Laurent Touchard et Alain Miosset. C'est ainsi qu'en 1985, Roland Pascoff a publié un ouvrage sur, je cite le titre, « Les littoraux, impact et aménagement sur leur évolution ». De nos jours, après sa regrettable disparition, un prix Roland Pascoff récompense les thèses et travaux consacrés à la morphodynamique littorale. Roland Pascoff donna comme géographe ayant étudié le Chili et son littoral une dimension internationale à ce que l'on appelle le Conservatoire français du littoral. Il publia aussi une géographie de l'environnement, problème d'utilisation des ressources et d'adaptation aux contraintes des milieux naturels. Ceci lorsque je l'avais comme collègue à l'université de Tunis en 1985. Enfin, Jean Tricard a lui aussi profondément marqué notre discipline. Dans un premier temps, il a d'abord travaillé à la géomorphologie fondamentale et structurale. Puis s'est progressivement tourné vers une géomorphologie appliquée, nourrie d'un véritable esprit d'écologie scientifique. Il recommanda cette orientation dès 1971, lorsqu'il est venu à l'université de Madagascar, marqué qu'il était par la pratique malgache du TAV, c'est-à-dire des feux de forêt, qui détruisent dramatiquement encore de nos jours cette pauvre grande île de l'océan Indien et multiplient les formes d'érosion que vous connaissez tous, les formes d'érosion en lavac dans les profondes altérites. Ainsi, l'on peut dire que grâce à des géomorphologues comme Roland Pascoff et Jean Tricard, l'écologie scientifique a précédé de plus de 30 ans l'écologie politique actuelle. Il faut qu'elle rende service. L'écologie géomorphologique, donc scientifique, est également de nos jours en plein essor, car elle est à la fois fondamentale, appliquée et environnementale. Au cœur de cette triple approche, on placera l'hydromorphologie fluviale et les travaux de mon collègue et ami Jean-Paul Bravard, qui vous salue tous, sur le bassin du Rhône, en amont et en aval de la métropole lyonnaise. Ces travaux sont effectués en association avec l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, RMC, puisque nous sommes ici dans l'agence de bassin RMC, bien évidemment, mais aussi l'ONEMA, et publié par cet office dans la collection au titre évocateur « Comprendre pour agir ». Voilà le titre de la géomorphologie et du colloque d'aujourd'hui, « Comprendre pour agir ». Ainsi sont mis en évidence les hydrosystèmes fluviaux, inventaire du lit mineur, moyen et majeur, leur dynamique naturelle et anthropisée et leur évolution. Cette science fluviale est maintenant bien reconnue. Jean-Paul Bravard fut l'invité et intervenant d'honneur de la mairie d'Auxerre aux rencontres auxerrois du développement durable, RADD. Dans son ouvrage de synthèse, Jean-Paul Bravard, celui que je vous ai présenté ici en couverture, et Jean-René Malavoie prennent des exemples dans le monde entier, du Yukon d'Alaska au Brahmapoutre, en passant par le haut bassin amazonien et ses célèbres anabranches, c'est-à-dire des chenaux fluviaux méandriformes, diffluents par rapport au chenal principal. Il y a aussi des anabranches dans les plaines de la Saône. Il faudrait peut-être que les décideurs en prennent compte en regardant tout simplement les cartes géologiques au 50 millième,
pour savoir ce qui est du lit majeur, ce qui est du domaine du lit majeur de la Saône. Ce que nous faisons actuellement pour définir une AOC, une IGP, Cassis de Bourgogne, à l'INAO. Dans tous les cas, fort de sa formation initiale de géographe, Jean-Paul Bravard tire toujours les conséquences humaines de ses analyses fluviales sur la qualité de l'eau, la potabilité des nappes d'accompagnement, la pollution globale du fleuve étudié, la protection des zones humides, en particulier des marais de Lavour, celle des espèces aquatiques invasives ou introduites, dont l'écrevisse de Louisiane ou la tortue de Floride. Et partout dans ce livre, comme dans son œuvre, il porte un regard attentif au patrimoine hydrologique et à sa conservation raisonnée. Ainsi, de science fondamentale de l'évolution du relief, la géomorphologie est devenue une science appliquée à une meilleure gestion de l'environnement. Tant les géomorphologues ont pris conscience au cours de la dernière décennie des dégradations considérables subies par le milieu physique naturel. Dégradation due à une gestion très préjudiciable de celui-ci par l'urbanisation, la réalisation d'équipements portuaires sans égard pour la dynamique fluviale, la dynamique littorale, l'invasion de la haute montagne par le tourisme de masse, la motorisation de l'agriculture céréalière, la déforestation tropicale, la pollution des eaux douces et marines. Le groupe français de géomorphologie, GFG, a ainsi consacré en janvier-mars 2013 dans sa revue « Géomorphologie, relief, processus, environnement », un numéro thématique à l'hydrogéomorphologie quantitative. Dans cette revue sont traités des bassins versants cévenols, bressans, haïtiens et polonais. C'est ainsi que Wojciech Zlogicki, dans son travail sur le plateau de Lublin, estime à partir de 53 datations carbone 14 les vitesses moyennes de sédimentation et en déduit que l'augmentation de ces vitesses moyennes depuis 8000 ans est directement imputable aux activités anthropiques et notamment à la déforestation. La géomorphologie actuelle consiste bien à préconiser des mesures susceptibles de préserver les équilibres naturels en dépit des interventions humaines et, je mets ce mot entre guillemets, des progrès de la technologie. Ce mot français de géomorphologie est également présent par la mise en ligne de ses travaux sur plusieurs sites, par exemple celui de Physiogéo, pour l'étude du bassin versant du Karakash au Xinjiang en Chine. La revue du GFG du groupe français de géomorphologie dispose d'un site de correspondance scientifique, revue.grpe.gmail.com, et d'un actif comité de rédaction pluri-universitaire. En conclusion, en espérant que je reste dans les temps, je voudrais une fois encore rendre hommage à Roger Coq et à son article cité en introduction, qui se termine ainsi. Cette géomorphologie prospective suppose une profonde compréhension de la dynamique du relief. Son action peut être curative quand elle veut stopper une érosion imprudemment exacerbée ou préventive si elle consiste à définir des dispositifs en vue de préserver la nature de déséquilibres néfastes. Et il termine par cette phrase qui est tout un symbole de l'évolution de cette science. Grâce aux résultats obtenus dans de nombreux domaines, la géomorphologie a déjà montré le rôle qu'elle peut jouer au service de l'humanité. Ainsi, après 100 ans d'études et de recherches naturalistes, la géomorphologie, dont je viens en quelques minutes de vous faire une brève synthèse, se veut donc avant tout, comme il est souhaitable que le soient toutes les autres disciplines, ce que j'appelle une vigilante science de la Terre au service de l'homme, de l'environnement et de la biosphère. Car l'homme ne survivra sur cette Terre qu'en la gérant avec mesure, dans un esprit plein de discernement, géomorphologique, physique et humaniste. Et il me paraîtrait, c'est le moment ou jamais, que de parler du dolmen de Chevresse. Je pense que vous connaissez tous le dolmen de Chevresse. Eh bien, je vous le présente ici. Il est dans la géographie physique de la France, que j'ai rédigée. C'est tout simplement un lieu exceptionnel qu'il faudra bien que je vous invite à venir le visiter, à vous l'expliquer, parce que ce dolmen de Chevresse mérite beaucoup plus
que l'anonymat et l'abandon total dans la forêt au nord, au sud de Carleton. Voilà. Eh bien, il faut réhabiliter la géomorphologie dans son action au service de l'homme, parce qu'il me semble que c'est le moment ou jamais, et je suis heureux d'avoir pu le dire aujourd'hui. Je vous remercie.